Bonsoir YouTube, on est là pour du Fire Emblem, comme tu peux t'en rendre compte hein, depuis pas mal de temps. Et donc voilà, continuons. Ouais, je peux mettre Aziark, mais Aziark, je peux utiliser tout de suite. D'après, ça peut être utile, c'est vrai. C'est vrai comment c'est fait, c'est mis, c'est ok. C'est ok. Bon, enfin, on verra après, hein. Pouette. Quel piège? Je ne sais pas quel piège il y a. Pouette. Je bois, désolé, hein. Oui, j'avais soif. Ok. Donc tout ça est obligatoire. Tout va bien. Meg, Leonardo, Iliana, non. Vous êtes plus de faire chier qu'autre chose. Jill. Je vais plutôt l'enlever et prendre du coup la hache pour... En tout cas, la hachette pour Nolan. Et Ziark. Peut-être un Ziark Aran. Je sais pas. Note convaincu d'aide. Qu'est-ce qu'il faut? Quoi qu'il faut. Allons au camp. Allons au camp se faire chier un petit moment. On aime ça. Je peux avoir des épées assis, des trucs assis, incroyable. Un petit cure, en vrai. Ça peut être pas mal. Pour Laura. Laura ? Allons-y. C'est quand même pas mal en vrai, hein. Objet. Jill échange avec Nola de l'aventurier. Ouah, t'es deux haches, hein, c'est ok. Hein. Ah, puis ta potion aussi. J'avais aussi. Noël qui prend tout à Jill, quoi. Elle vient d'arriver et paf, elle se dépouille. Super. Super l'ambiance hein, ici, hein. Super, hein. Merci, hein. Comment ça, ta double potion, toi? Comment ça? Avec les coffres on s'en fout et la porte par rapport au city on s'en fout un peu. Faire l'étal? Bon, peut-être pas que ça non plus. Ah, c'est pas mal. Après, je me souviens d'épée bronze, mais bon. Non, ça, j'ai vu. Non, objet, on est bien. Normalement, objet, on est bien. On va voir après ce qu'on fait. Alors. Alors là, ça va nous faire chier un petit peu. Il y a aussi des trucs volants qui vont faire chier. Ça va vraiment faire chier. Tout le truc volant que je vais pas pouvoir attraper tout de suite, quoi. Vu que j'aurai pas Jill. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue dans les Jill, mais bon, on verra. On verra si on va faire des essais, ça va être ok. Allons-y. Salut, je me mets là. Salut.
discutons, oui, bonsoir. Pardon pour le bâillement. T'as combien ma vie toi? 6. C'est pas mal. C'est plus que Aran, Edward et Nolan réunis, hein. C'est pas mal. Beau score, beau score. Du coup, je sais pas si je mets Ziark Aran ou Ziark Volug. Mettre Aran, je pense. Ah, tu te souviens maintenant? Incroyable, incroyable niveau, hein, n'est-ce pas hein. Le niveau en deux parties, qui fait chier ses grands morts. Et oui, merci Fiona, évidemment, hein, qui a pas nous faire chier du tout pendant la deuxième partie du niveau. Il a pas du tout falloir se grouiller pour tabasser tous les gens, c'est pas vrai, mensonge. Les Pégas sont chiants, effectivement. C'est un fait avéré, ça. Hein. Esquive. Yes. Yes. Il va le tuer. Du coup, il va y avoir un autre truc qui va essayer de le toucher. Il va le toucher. Edward va mourir. Ma vie, c'est de la merde. Et là, je l'ai dit. Vous pouvez dire d'aller que je l'ai dit, hein, c'est bon. J'abandonne. Ok, les Pégas qui commencent à arriver, les trucs, les machins là-bas. Regardons. Sauvegardons. Non, évidemment non. Pouette, 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 pouette. 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 Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Pardon, excuse-moi. Trop de musique, trop bien. Je pourrais attaquer avec un javelot, hein. Ce qu'on va faire. Oui, elle est tellement forte, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai raconté pas mal de fois, hein, mais bon, une fois j'ai essayé d'entraîner Fiona. J'ai entraîné Fiona jusqu'au changement de classe, elle avait pas une stat au-dessus de 10. Donc bon, merde, hein. Fiona c'est de la merde, mais à ce point-là quand même, c'est fou, c'est ouf, hein. Ouais, il y a de l'arc-acier, c'est chiant. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, les pouets, ouais, pouets. Ouais, pouets. Ouais, non, mais tu veux juste te soigner en vrai, hein. Pas du merde. Scheisse.
Ça fait aucun dégât, mais ça me va. Allez, hop. Ah oui, non, mais c'est, je pense que c'est le perso le plus faible du jeu. Hein. Enfin, l'un des plus faibles, en tout cas. C'est sûr et certain. Le plus faible... Nocet, mais vraiment... Fiona, quoi. Oh, l'esquive avec la roulade arrière. Tu veux esquiver ça aussi, ce serait pas mal, hein. Yes. Pas de foyer, pas de foyer, super. Les Pégases arrivent. C'est chiant. Oui, c'est chiant. Oh, mais je fais pas de x2. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il y a Zerg pour sauver un peu la vie là-dessus. Hein. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, t'es chiant, Ziark, hein! Ah oui, non, mais tout, non. Moi, je voulais juste que tu. Ah, merde! T'as compris? Je viens de voir que là, absolument juste en dessus, il y a une putain de grosse araignée. Génial. Ah, bah voilà, du 11x2, c'est pas mal là-dessus. Ça pour avoir un gros marteau. Ok, donc je peux même pas aller là-bas. Super. Super ambiance. Bousculez-moi ça. C'est vrai qu'il va y avoir les Pégases. Yes! J'ai pas sauvegardé à ce niveau, je crois. Je crois que j'ai pas encore sauvegardé. Petite erreur de ma part, je crois, là. Petite erreur de ma part. Combien de vitesse? 14 10 que je tabasse avec toi et comme ça on finit dans un merde quoi. C'est pas avec ça que je voulais faire mais bon. Voilà, comme ça les emmerdes c'est terminé. Comme ça moi je me mets là. Faut que elle peut venir là. Oui elle peut se relayer ça oui.
elle peut se rouler un buisson. Par contre, est-ce qu'elle peut contourner? N'en fais pas trop, mais bordel! Ah oui, il a bravoure. Remarquez la bravoure. Et du coup, si la bravoure, du coup, la technique aussi est augmentée, du coup, il va tout le temps avoir adepte. Ah, il va essayer de toucher, d'accord. Enfin, il a réussi à toucher, plutôt précis là-dessus. Mais il y a le Pégase derrière. Oh le niveau! Ah non mais s'il vous plaît que je perde pas à ce truc là parce que là le niveau de Haran est incroyable. Mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça, mais quel connard! Dès que c'est putain l'arfeu la pute! C'est de la merde. Juste pour savoir, est-ce que je loupe quelque chose d'autre? Est-ce que autre chose est mort dans ce tour-là? Parce que si ma seule erreur c'est juste ça, ça devrait aller. Aussi savoir utiliser Nolan trop tôt aussi. Que du coup il y a juste ça. Et du coup je vois aussi à quel tour lancer aussi. Parce que je crois que j'ai pas sauvegardé au dernier tour d'avant. Erreur fatale. Bah bravo. Non, tour 4. Est-ce que j'ai sauvegardé tour 3? Tour 2 c'est ok. Tour 2 mais c'est à nos niveaux. Tour 3 d'accord mais c'est à nos niveaux. C'est carrément nos niveaux. Oui là on n'est pas là. Hein. Oui là non plus. Bon ça c'était il y a longtemps ça. Donc, hein, donc on est plutôt là-dessus donc. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait? J'en sais foutre rien! Yes! C'est cool, hein? Je crois que j'avais fait ça. Ah, mais je peux te mettre à côté d'un buisson, ce serait incroyable ça! Incroyable le buisson. Ok, on fait ça et Haran va pouvoir le tuer après. Finalement, la bravoure c'était pas une si bonne idée que ça tout de suite. Et en plus, je pensais qu'il pouvait pas riposter. Je suis vraiment un couillon jusqu'au bout quoi. Incroyable. Couillon de ses morts. Mettre là pour. Oui, non, mais après ils vont la recasser tout ça. Il faut quelqu'un ici quoi, devant quoi. Ça. Petit bâton de soin. Et dehors d'ici, je trouve que...
qu'on puisse pas taper lui. Après, t'as l'épée vent, tu pourrais lui piquer, mais il est trop loin. Où je vais mettre là. Écoutez, on va utiliser l'épée vent, je suis sûr que ça va faire aucun dégât. Oh si, incroyable. Incroyable. Ah mais je tue pas. Erreur de calcul, hein. 7 c'est forcément moins que 9. Je saurai la prochaine fois, je le saurai. Hein. La prochaine fois je le saurai. Allez vas-y viens. Bien que je suis marabout. Ah mais du coup il y en a qui a un marteau du coup peut-être pas Toro Neo en fait à côté. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est vrai que j'aurais dû l'équiper de son de sa hachette. J'ai été con. J'ai été très con. J'étais confus. J'ai pas fait un petit x2. Non. Apparemment, je vais me faire foutre. Ok. Ok, cette fois je sauvegarde. Ça va pas planter, incroyable. Ok. Alors. Est-ce que je peux tabasser le cul? Non. Faut que je fasse gaffe au truc là-bas, ça. Après, je vais faire un truc simple aussi, hein. Un truc simple, simple, clair et bonjour, hein. Je la sauve. Et je la prends et je la ressauve derrière. Enfin, je la dépose, quoi. Je la dépose là. Du coup, en plus, ça fait le double avec. Ça fait le bonus avec Aran. Donc, c'est ok. Oh! Et juste pour être safe à 100%. Quasiment. On va faire ça. Voilà. Et là, normalement, on devrait être bon. Il y a un peu le Pégase du bain qui fait un peu peur, mais en vrai, ça devrait aller. Ouais, allez, ouais. Toi, je peux t'avoir d'un coup. La guillotine, on l'appelle dans le métier. Blark.
toi je te mets là pour protéger. Soigne toi 3 PV, vas-y je t'en prie. Ok. C'est vrai que je sais pas où ça c'est éventualité, mais normalement ça devrait aller. Non. 45% il s'est touché le petit bâtard. Super. Et le pire c'est qu'il est dans des buissons quoi. Il est dans des buissons en duo avec Nolan à 45% et il se fait toucher le petit bâtard. Le x2, le x2, non pas le x2, ok super. Contre un marteau, ça va être chiant. Ah, en 36% de précision. Je crois que 36 c'est les dégâts qu'il faisait, mais ça va. Oh, le double, la doublette. Incroyable. Level up. Ah c'est vrai que du coup le level up que j'ai pris tout à l'heure du coup il est pas dans... Connard. Quel énorme connard je suis. La même chose. Je me suis pris la même chose en cul. Et je l'ai pas vu arriver. Mais en vrai c'était bien de faire ça, c'était très bien de faire ça, c'est juste que je me suis planté d'un truc. J'ai voulu merde, voilà. J'ai pas d'autre mot, merde. Voilà, je sauve. Toi voilà, tu prends, ok, tu déposes à côté là, ok. D'un coup, je suis plus vraiment sûr de moi. Non mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, c'est ok. Faut que je m'approche du bureau, voilà. Juste une question d'approche différente. La paix acier, tu lui fais un critique parce que t'as 4% quand même. 4% de critique, c'est quand même pas mal. Il le fait, ce con! Merde! Ah, si j'avais su qu'il fallait juste dire faire un critique, s'il te plaît, bah j'aurais fait avant. Hein. S'il te plaît, rends, fais un critique. Bon, t'es à 0%, mais. T'as quand même des chances. Non, aucune chance. Ouais. Eh ben non, si je me mets là, du coup, ça protège de là, et du coup, ici, c'est ok. Allez! Je bouge plus! C'est bon! Après, faut pas que Aaron se fasse tuer non plus, quoi. Ça serait quand même dommage. Je dis pas. Level up encore. Cette fois, tu fais le bon level up, hein. Parce que ça a été de moins en moins bon. J'ai peur, la troisième fois. Ça va. À part les PV, donc ça va. On a connu pire comme level up, hein.
Yes. Le x2. Ah non, pas le x2. Pas cette fois. Oui, ben tire sur Volug, hein, je t'en supplie. Hein. Zblarf, le cri. Tu n'attaqueras plus pour un petit moment. Ouais, mais du coup, ça va faire mal pour toi. Non, ça va. Moi qui fasse un x2. C'est moi qui fais x2. Nick. Nick les Pégases. Esh. Ok, là on peut bien s'entendre, là c'est ok. Ah ouais, mais là si derrière ça s'approche aussi, ça va être compliqué. Hein. Le cri ça fait quoi du coup? Il est bloqué combien de temps celui-là du coup? Parisien un tour, donc ouais, il va paralysie juste après quoi. On est au tour 4, hein, et on est 30 minutes de niveau et 4ème tour, je pense que c'est un record mondial là-dessus. Et en plus des javelots. Il y en a une avec un javelot, putain. J'ai quasiment envie de le protéger avec les deux hein, en vrai. Hein. Il n'y a pas plus de défense, mais... Si je vois ce que je peux faire. Parce qu'il faut que je soigne Aran au bout d'un moment. Même si là ça va être ok. Pouais. Une épée assise pour moi. Oui, bonjour monsieur. Donc le petit bâton. Merci beaucoup. Moi, ce que je peux faire, c'est ça. De toute façon, je mettrai les sauver, les gens. Hein. Mes deux. Là, mes deux trucs, là, mes deux magiciels, là. On va les sauver. Hein. Enlève-moi ça. Ok. Si Teronéo peut se protéger des coups que l'autre va te faire, ça va être pas mal. Hein. Enfin, Teronéo, normalement, il a cette défense. Il n'y a pas de mage ici, donc c'est ok. T'as pas de force, hein. Il fait chier, Edouard. Hein. Oh, par contre, Nolan, pas mal hein, là-dessus. Ouais. À protéger Volug par contre.
Ça va, 2 PV, ça va. Je peux... J'accepte de me prendre 2 PV par un connard alors que je sauve Laura. J'accepte. Loupé. X2. Le x2 du coup, après tu le tues, yes. Et du coup, le système marche toujours. Ok, bonne nuit, mec. Merci de passer. Bon, on va dire, moi aussi, je fatigue. Là, je pense que je vais pas faire les deux niveaux, les deux moitiés de niveau. Je vais juste faire la moitié de niveau là, puis après... Cassos. Pelle, 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 pelle. Oh non. Yes! Vas-y, Edward! Ok. Ça, c'est ok. A plus Val, n'hésite pas à follow la chaîne hein, si tu veux voir d'autres lives. Genre du Zelda Breath of the Wild, du XCOM 2, du Blood Bowl, tout ça, et puis toutes les semaines un peu de Fire Emblem. Voilà, surtout, n'hésite pas à follow la chaîne et bonne nuit. Pouais, pouais, pouais. Pouais, pouais, pouais. Pouais, pouais, pouais. Bon, Dread devient bon, hein. Ça, tout va bien, tout va bien. Bah du coup, merci Val. Merci beaucoup. J'espère que tu repasseras un de ces jours. Toi, faut que je te soigne. Hein. Dans les buissons. Hop là. Merci beaucoup. Ok, donc, si je peux me le faire, ça sera ok. Je me garde mes deux mages dans... sur mes tanks. Non, je vais pas trop bouger, hein. Je vais rester comme ça. Petit à petit, il se soigne, celui-là. Non, moi, ça devrait se faire. Ah, mais j'ai pas soigné non plus. Au bout d'un moment, ça va être catastrophique hein, si je le souhaite pas. Hein. J'obtiens le marteau. Salut Soric. Ouais, pas de soucis Soric, hein. Pas de soucis là-dessus. Puis au pire, t'es là maintenant, donc ça va. Tu pourrais éviter de mourir ce... Oui, ça va. Peu de chances de mourir là-dessus, hein. Alors t'arrives à me louper alors que j'ai quelqu'un sur le dos, hein, donc tout va bien. Ok. Ça va commencer problématique si je soigne pas.
potion, ok. Je ne sais quoi faire. Enfin, si j'ai bien une idée, mais c'est... peu dangereux, quoi. Là, tu la déposes ici. Ouais, sonne-toi. Hein. Oh, ouais, Nolan, vas-y. Je t'en supplie, vas-y. Tabasse-toi à coup de guillotine. C'est ok. Pouelle, 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 pouelle. Et puis c'est tout, hein. Putain, franchement, ça va, ça je prends, ça c'est ok. Là, ça fait un peu de chier. Ok, après tu peux esquiver. Non. Pourquoi je ne me suis pas dit une seule fois qu'il pouvait venir par là? Oh! Laura? Qu'est-ce qui t'arrive, Laura, d'un coup, là? Incroyable, Laura qui esquive tout! Ok. Ça mérite pas un peu d'XP en plus, ça? Non? Bon, je dis oui, quand même, hein. x2, pas x2. Déception. Bah du coup, on sauvegarde bien. Hein. Oui. Ça devrait aller normalement, mais après bon, pas ok. Vous avez quoi, où javelot, javelot, tu vas prendre ta hachette, prends ta hachette et ce sera chouette. Ouais, bon bah assied quoi. Parce que pouvoir faire beaucoup de dégâts, mais bon. Ça a du javelot, ça, non? Ouais, ça a du javelot, c'est chiant. Tu ne viendras pas vers moi! Enfin, j'espère. En tout cas, ça me ferait chier. Il faudrait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2.
Non, c'est bon, c'est ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tout ça. Pas me faire chier une pendule non plus, hein. Allez, dans le doute, je me mets là. Mais c'est vraiment par un souci de doute, quoi. Un souci de doute bien pensé et que je peux me gourer. Ah du coup ça m'attaque plus hein, tout de suite là ça attaque celui qui est plus d'armes hein. Connard. Foiré. Petit bâtard. Allez viens prendre ta dérouillée, vas-y viens. Enfin, si je fais un x2 ce serait pas mal. Comment ça, votre pourcent, tu attaques? Comment ça? Comment ça? Sauvegardons. Merci. Allons-y. Pouet les pouet pouet. Pouet les pouet pouet. Pouet les pouet pouet. Parfait. Discutons, oui. On peut le faire un fois deux, hein, non, merde. Merci de louper à tout un pour ça, merci. Je vais le soigner pour faire des XP, et puis me barrer après vite. Et vite, très vite. Après, ouais, non, ouais, ça devrait aller. Il devrait pas trop faire chier. Directement ok yes. Ah du coup tu me rattaques moi hein. Petit bâtard. J'ai droppé masse de... Je droppe encore là? Pourquoi donc? Chiant ça! Ça mieux.
On est pas mal entouré ici par contre, nous. Hein. Ouh. C'est vrai qu'on est full esquive, hein. Le x2. Yes. Ouais, pas de suivi virus, hein. C'est bien que je touche pas bouché, donc c'est ok. Tout va bien. Ah, ils sont venus vers moi, les petits bâtards. Ok. J'accepte la sentence. Allez vous faire foutre. J'irai même aller vous faire cuire le cul. Pas le plus précis. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Je suis en train de laguer, c'est mort. Non, c'est bon, ça va, ok. Ok. Salaud, il est en train de pioncer le soleil, salaud! Salaud de soleil! C'est vrai qu'il fait nuit, hein. Ouvrons encore plus le volet. Pour un peu plus de fraîcheur. Et vive l'hiver. Ici, enfin, on va pouvoir le finir de tabasser, celui-là. Parce qu'on n'en pouvait plus au bout d'un moment. Voilà. Pouet, 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 pouet. Ah bah si, en hiver il fait des grasses pâles quand même, hein. Bon, en été il chôme pas, j'avoue. Mais ça va, en hiver... plutôt pépouze, hein, comme travail, hein. Ouais, ça devrait aller. Même s'il m'attaque, ça devrait aller. Tu vas esquiver. Oui, ça va, c'est plutôt un gros repos. Hein. Généralement, l'hiver, le soleil dort plus que moi déjà. Hein. Un poil plus. En sens qu'il y a une touffe d'herbe au milieu, parce que là, ça me carie un peu. Hein. Ouais, 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 ouais. Splarf. On va pouvoir le tabasser. Oui. On se soigne parce que c'est gratos, c'est que ça fait un peu d'XP, donc c'est ok. Je t'avoue que là, j'ai fait un petit mois de 2 heures de sommeil, là, par nuit. Je t'avoue que j'ai pas kiffé. Je t'avoue, là, tout de suite, c'était pas l'éclate. Hein. Donc là, il m'éclatait en termes de sommeil. Hein. Mais là, ça va. Quoi, t'es breton? Putain, y'a que des bretons ici, fait chier. Merde. Ah non, mais là, d'ici, en... Là, ça va, niveau...
Niveau température, ça va. Moi, je suis à Lyon, ça va. C'était pas comme il y a 3 semaines où on crevait de chaud, quoi. Là, ça va. On peut vivre tranquillement, quoi. Et poué. Je chante comme de la merde. Hein. Enfin, comme. Ah! Ah, je sais pas, tu parles de Bretagne, moi, du coup. À moins que t'aies fait un petit voyage pour voir le soleil se coucher jusqu'en Bretagne, mais un petit peu loin, je crois. Après, je dis ça, je sais pas du tout où c'est la Charente-Maritime, donc. Ouais, les départements, hein. C'est pas ça, quoi. Vas-y, viens, je t'attends, viens. ×2. Yes. T'as pas intérêt à te barrer cette fois, hein. Oh, trop cool. Ah, d'accord. Sauvegardons. Ouais, bon, je vais te chanter. Ça vaut mieux pour tout le monde. Hein. Pouet. J'arrête de chanter vraiment, hein. À chaque fois, hein. Samus attaque! Yeah! Merci. Et on s'est enfin débarrassé de tous les ennemis sur la droite du terrain. Yeah! Merci. Merci pour tout. Ce qui veut dire qu'on va déguster en été. Parce que là, on n'est même pas en été du coup, mais on a déjà dégusté il y a quelques semaines. Après, je suis pas sûr que ça a un rapport, hein, mais je suis sûr que cet été va être horrible. Et ça va, on a évité le confinement en été, hein. Parce que là, il y en a qui auraient eu du mal, hein. Yes. Oh, mais barre-toi pas si loin, bordel de merde! Ah, oh, je peux même pas le choper. Petit bâtard! Vas-y, viens, j'ai une épée vent. Épée vent, achète, viens. Jusqu'à où? Je crois que c'est 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Bon, c'est parfait ce que je veux faire du coup. Incroyable. PXP gratuit. Ouais, même si c'est pas sec, bon. Enfin, même si c'est pas trop sec. Enfin, ça dépend, en plus 1,5 par rapport à quoi? Par rapport à l'année dernière ou par rapport à la normale? Mais c'est pareil, la normale par rapport à quoi?
Ah ça. J'espère pas, mais bon. Sauvegardons. Toujours sauvegarder. Enfin, dans tous les cas, ça va faire chaud, quoi. Dans tous les cas... De toute façon, moi, je supporte rarement les températures au-dessus de 25. Hein. Dès qu'il fait 25-26, moi, je crève de chaud, déjà. Oh, putain, j'avais oublié. Incroyable, le pif. Il y a un truc là-bas, ok. Incroyable, merci. Merci, Sauce. Oui, bah oui. C'est pour ça que ça me... La question se posait, quoi. Parce que toi, tu le tabasses. On est d'accord que là-dessus, aucune chance de s'en sortir, quoi. On va faire un peu d'esprit, hein. Ouais, ben pour moi c'est déjà trop. Pour moi c'est déjà trop. Hein. Moi je suis un humain de type gros. Du coup dès qu'il fait chaud, j'ai chaud et c'est chiant. Donc merde. L'hiver c'est parfait, l'hiver c'est le bon truc quoi. Ah oui, l'hiver quoi. Vraiment, les gens qui préfèrent l'été, c'est vraiment des connards. Hein. Merci. Je te serre la main, bienvenue au club, je te comprends frérot. Parfait. Voilà. Quelqu'un qui me comprend, incroyable. Ah ça. Avoir son petit plaid là, regarder Netflix là. Ça c'est le bonheur ça. On veut pas grand chose quoi, voilà. Petit plaid, se mettre, se caler contre devant l'ordi. Ah, oh, quel bonheur. Quel bonheur. Ça va taper de loin, d'accord. Il va y avoir un nouvel arrivée de Pégase en haut, je crois, après. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est ça. Hein. Tout lequel je repars. Tout lequel je reparais. Alors, techniquement, non, le froid, ça endort. C'est le contraire. La chaleur empêche d'endormir, alors que la fraîcheur et le froid extrême, ça ralentit ton corps et du coup ça te fait endormir. T'étais à ça, hein, à ça d'avoir raison. Pép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 
Voilà. C'est ok, c'est fait, c'est ok, c'est bon. Ouais. Normalement, c'est là où il y a les connards qui se révènent. Un meilleur mois après janvier, il y a toujours le Nouvel An qui fait chier, le Noël qui fait chier aussi, bon, voilà quoi. Ouais, je suis team chiant, ouais, c'est ça, ouais. Team gros râleur. Mais oui. Après, octobre-novembre, ça te dérange pas, quoi, il commence à faire frais, ça va, c'est ok, quoi. Je tabasse pas. Mais il y a Mikaya derrière, du coup je vais pouvoir le tabasser après. Normalement, c'est pas sûr, mais on l'espère tous. Ouais, c'est ça. Fin automne, c'est parfait. Après, du coup, je suis vieux, mais ce qui faisait plus chier, c'était quand il faisait chaud et qu'on était en cours. Collège, enfin école, collège, lycée, quand on était en mai, juin ou septembre, quand il faisait encore chaud de l'été, l'horreur totale. Mets les fils. Ah, c'est pour ça que ça bug, peut-être parce que j'ai touché les fils, peut-être. Peut-être trouvé. J'ai trouvé la raison de comment je suis con. Oui. Oui. Ah, ça. T'avoue que moi j'ai eu qu'un CAP, du coup. Après, du coup, c'est vrai qu'après, je viens de me rappeler, j'ai travaillé en boulangerie. Travailler en boulangerie l'été, c'est pas ouf non plus, hein. Faut pas se cacher, hein. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est compliqué pour ceux qui, en ce moment, hein. Rip le bac, je sais pas, que c'est bien chiant, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment c'est chiant. Tout ce que je sais. Ouais. Ah, ça attaque de loin, merde. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en plus, tu dois bosser. Donc c'est pire. C'est pire qu'un sauna où t'es tranquille, tranquille assis, c'est pire que tout. Et comme j'ai dit avant, la chaleur je supporte pas, donc imagine bien que je me suis vite barré de la boulangerie. Et finalement non, c'était pas mon truc finalement ça en fait. Ouais non. Pas vraiment. Pouais. Mais voilà les Pégases qui arrivent. Ah, y'a pas que des Pégases. Merde. Sauvegardons. Soyons pas.
Soyons pas rapides à des sauvegardes, hein. Ah oui, je confirme, je comprends. Comment ça? Non, je suis pas d'accord là-dessus. Merde, j'ai fait un peu trop vite. C'est ok. Tout va bien. Pourquoi ça drop? Pourquoi j'ai une collection de merde? Why, Lisa, why? Comme diraient les grands penseurs de siècle, hein, évidemment. Pas du tout. À tout dépend, il y a la chaleur aussi étouffante qui fait que t'arrives pas à te reposer aussi. Oh, c'est plutôt ce genre de chaleur que ça me fait. Hein. Enfin, la chaleur, ça me fait plutôt cet effet-là en fait. Oula, j'ai fait une erreur là-dessus, là, oui. Ouais, grosse erreur là-dessus. Ah ça. Merde, j'ai oublié l'objet. L'arme scroll, le désarmé. Ouais, le truc, je sais plus comment ça s'appelle en français. Vous n'aurez pas mon Nolan, hein, c'est mort. Hein. Je dis, vous l'aurez pas, j'ai dit. J'ai dit, vous ne l'aurez pas. Merci. On peut faire un x2 sur lui. Non. Ouais, je pense que ouais. Quelque chose dans le regard à Nolan, je pense. Y'a moyen. Je crois que je vais faire barrer tous les mages, hein. Est-ce que je peux tuer quelqu'un? Je suis pas sûr. Peut-être Nolan, mais... Oh oui, je peux tuer lui. Enfin, je peux les tuer les deux, ouais, mais... Scheiße. Pouais. Oh, vraiment, on va de merde, hein. Vraiment, faut que j'arrête de chanter. Hein. Pouais. Oh, faut que j'arrête. Ah bon, non.
Yes, blarf. Merci. Level up, niveau 17, 16, 17, 17, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, yes. Vitesse technique, ok. Alors je vais pas cracher dessus sur la force et la défense. Hein. La plante. Voilà. La pomme morade d'aventurier exact. C'est vrai qu'il y a ça aussi comme référence. Mais non, du coup, la référence de l'aventurier, c'est un vieux dessin animé, enfin un générique de dessin animé de Conan. Conan d'aventurier. Si tu veux regarder ça sur YouTube, amuse-toi. C'est un vieux dessin animé, hein, c'est très très vieux. Hein. Je pense que c'est plus vieux que moi. Hein. Alors j'avoue, Bob Moran, j'avoue, niveau vieux, c'est pas mal. Hein. Ah, niveau vieillesse, ouais. Ouais. Effectivement, non. Ouais, je peux le faire. Je pense que je peux me le permettre. Je suis pas sûr, mais... Je pense. Oui donc. Petit son pour l'XP. Objet, tu enlèves ça et tu sauves cette Laura. 15 XP, il va falloir que je me soigne, hein, je pense. Hein. Ouais, soignons-nous. Ah, t'as un javelot, barre-toi. Barre-toi, toi, ton javelot de merde. Faites chier. Merci. Ce niveau aura duré 1h20. Incroyable. Vraiment beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais quel nul! Mais quel nul! Oh. Je suis pas sûr de... Ah non! Ah! Bonjour, je reste là. Je reste là, mon épée vent, c'est ok. Salut. Ok. Plus ça va, plus j'ai des lags. Hein. Super.
Radio lagué, merci. Même pas pour un niveau, pour une moitié de niveau. Parce que je te rappelle que celui-là est à... Il y a deux moitiés. Enfin, ce chapitre a deux moitiés de niveau. Deux niveaux qui font deux moitiés. T'as compris, bref. C'est fort que je te soigne un jour, toi aussi, hein. Oh non, mais... Connard de piaf volant, là. Paf. Ah, du coup, oui. Ça a pas touché du tout. Ah oui. Incroyable. Bah écoute, oui, écoute Nikaya, ben, amuse-toi. Et puis je te rappelle que c'est en plus le truc avec Fiona, donc on va bien se faire chier aussi. Ça va être l'éclate, l'éclate totale quoi. Mais là je finis pas ce soir, hein. Je fais juste cette moitié là et on s'arrête là et on continuera cette prochaine. Hein. Oui. On va pas abuser des bonnes choses. Hein. Et 24%. Je ne prends aucun risque. Ouais, non, mais aucun risque du tout, quoi. Je peux pas me permettre ça. Merde. Évidemment qu'il aime faire chier, évidemment. Évidemment, il aime ça. Évidemment, connard. Ah mais décollez pas, c'est bon quoi. Oui voilà. Enfin, déjà que la lucidité de chez moi elle est présentement jamais présente. Bon c'est plus un problème de fait que je suis con mais ça. C'est un souci. Mais si on ajoute la fatigue en plus du fait que je sois con. Peut poser des problèmes, on va pas se mentir. Déjà, incroyable. Allez, vas-y, que la lumière soit dans ta gueule. Dans ta gueule, yes. Encore un ennemi. Et après, on peut avoir accès à Fiona. Pour pouvoir le faire le fion, voilà, c'est rigolo, LOL. On aime l'humour ici. J'ai pas trouvé l'objet. L'objet qui est ici. Incroyable, merci Sauce. Ah, je crois que t'es pas loin d'avoir un niveau, si tu peux... juste taper une fois... Juste une fois. Voilà. Bon, t'es bon. Pas grave. Vas-y, Nolad, frappe-le. Déchiquette-le. C'est ok. Vas-y. Yeah. Eh ben, mon cochon. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, on est encore au chapitre 6, ça, on n'est pas encore terminé. Hein. Voilà. On en est là et on va s'arrêter là. Hein. Oui. Voilà, non, 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 non. Voilà. Le reste, on va se démerder avec ça. Hein. Je sais pas comment, mais on va se démerder avec. Bref, je sauvegarde là. YouTube, je te dis au revoir. À bientôt pour d'autres let's play incroyables tels que Fire Emblem et surtout Fire Emblem. Et puis viens sur Twitch. Yes. À plus.